Salut les géocacheurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de géocaching. Cette vidéo fait suite à la vidéo de Beeper. Si vous voulez voir la vidéo, la petite multi qu'on a fait ensemble, bah allez voir sur sa chaîne. Je vous mets la vidéo juste au-dessus de ma tête. Enfin, ce sera peut-être à droite, à gauche, mais ce sera dans les alentours. Moi, je vois rien. Tout de suite, on va faire des petites tradis. Je crois qu'il y a trois caches traditionnelles qui ont pas mal de points favoris que tu as déjà fait. En épisode, oui, tout à fait. Regardez peut-être celui-là avant de vous spoiler sur les miens pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ça te vient d'où cette idée d'oiseau là? Bah en fait, moi j'ai toujours grandi avec des oiseaux, tu vois, parce que moi j'aime bien les oiseaux. Donc ouais. À la place d'avoir des poissons, j'ai ta passion. Des oiseaux. Ouais, voilà. Et du coup, bah en fait, ça fait quoi? Ça fait le troisième maintenant que j'ai réussi bien à apprivoiser, tu vois, et se laisser sortir de la cage. Mais quand tu fais tes intros là, ouais, c'est vraiment lui bah sur ton épaule? Bah oui. Parce que moi je croyais que c'était un fond vert ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment ton mais oiseau. C'est un vrai. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, je me disais, c'est vachement bien fait pour un fond vert et tout. Ah, d'accord. Je suis fait ami avec une ronce. Excellent, ça. Excellent. Il y a un petit... ouais. Un petit loquet. Ah ouais. Ah mince, alors, il faut des piles. Oh là là, c'est con, j'ai pas pris de piles sur moi. Ah bah si, en fait, si j'en ai. Insérer les deux piles. Donc là, tu prends les trois cartes magnétiques, tu les rentres et t'as des chiffres qui vont s'illuminer et d'accord. Ça va te donner un code à faire, okay, sur le cadenas. Et si tu te trompes, ça explose. Alors, nous avons... Wow. Donc... Ah oui, bien, il y a tout qui s'illumine. C'est normal, ça? Non, c'est que t'as fait une erreur. Ou alors, oh, tu l'as rentré dans le mauvais sens, peut-être. Ah, c'est mieux. Deux, neuf. Ah ouais, effectivement. Je serais tombé directement sur la bonne. Non, rien, ça marche pas. Hein. Ouais, eh ben voilà, maintenant, ça, c'est pas bien. Hein. On va se rebarrer avec le truc. Non, normalement, c'est ça. Hein. Ah bon? Ah c'est bon, c'était, ah, c'était une autre combinaison que nous tairons sur cette chaîne. Alors nous avons droit à une petite baleine, à un Angry Bird, un dinosaure, un petit chat, mais ça c'est un mignon. Ouais, un mignon. Hey hey! Voilà, il y a le stylo que j'oublie tout le temps qui est là-dedans. Et bah pour une cache de 2015, le logbook il est en bon état. Hein. Pop pop pop, le cadenas, je l'ai oublié dedans, c'est ça? Faudra peut-être tes deux mains par contre. Effectivement. Vache. Je m'attendais pas autant de ficelles. Regarde en dessous. Ah ouais, d'accord, ok. Et bah... Je sais pas, elle est déjà assez... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais en fait c'est un piège. Pourquoi? Bah ça s'ouvre pas du tout ça. Mais non. Ah bah y'a du monde hein.
Et voilà, c'est tout pour ces trois petites caches forts sympathiques qui étaient bien favorisées du coup pour le coup. On compte sur vous pour laisser des points favoris aussi. Et oui, oui, lâchez des j'aime. N'hésitez pas également à vous abonner. On se retrouvera sûrement sur d'autres vidéos sur la chaîne de Beaver. Je vous invite fortement à découvrir si ce n'est pas encore le cas. Et puis à la prochaine les jeux cacheurs. Voilà. Ciao. Merci.